Maman, on en a déjà parlé. Il y a plein de couples qui vivent ensemble. Il n'y a rien de scandaleux à ça. Je n'ai rien contre le fait que tu emménages avec Brian. Vraiment. Ce qui m'embête, c'est que tu emménages maintenant avec ce garçon. En pleine période de Noël. Et ça recommence. Oh, c'est le seul moment de l'année où on peut te voir. Si les choses deviennent vraiment sérieuses avec ce Brian... Son nom, c'est pas ce Brian. Alors pourquoi ne peut-on pas le rencontrer? Pourquoi ne le ramènerais-tu pas ici, à la maison? Comme ça, tu pourrais passer du temps avec ta famille. Maman, tu sais que je suis débordée de travail. C'était logique que je prenne sur mes vacances pour déménager. Mais du coup, ça ne me laisse pas non plus le temps de traverser tout le pays jusqu'au Connecticut. Oh, je vois. Il ne faudrait pas que passer du temps avec ta famille devienne une corvée. Ça m'aurait étonnée que tu réagisses pas comme ça. Écoute, maman, bien sûr qu'il faut que tu le rencontres, et bien sûr que vous allez me manquer pour ces vacances, mais je peux quand même pas être à deux endroits à la fois, je fais au mieux. Je sais. Bien. Il faut que j'y aille, je te rappelle pour Noël. D'accord, ma chérie. Bye. Termine l'arbre de Noël. Oh. Oh. C'est ta mère, tu t'attendais à quoi? Pas des leçons de morale en plein milieu des courses de Noël. Je dois avouer qu'elle a quand même montré un peu de retenue. Elle m'a pas demandé une seule fois quand j'allais me marier. Je te jure, un de ces jours, je vais apprendre qu'elle a appelé mon gynéco pour se renseigner sur la baisse de mon taux de fertilité. Oh non! Oh, ça devrait plutôt lui plaire que vous emménagiez ensemble. C'est un pas de plus en direction du mariage. Pourquoi je devrais me marier? Je réussis bien dans mon travail, j'ai des supers amis, j'ai une belle vie. Ce que je veux dire, c'est que si je te perds comme coloc, qu'il y en ait au moins une de nous deux qui ait une vie de princesse. Tu parles d'une princesse. Je sais pas ce qui est pire. Être poussée au mariage par une mère juive intrusive ou y être poussée par le chantage au sentiment d'une campagne publicitaire. Tu travailles dans la pub, tu devrais savoir. Michael, tu es sûr de ta décision? On est ensemble depuis 5 ans, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Il se trouve que j'ai eu une super proposition de travail en Californie et que Courtney voulait rester à Boston. Entre nous, ça m'aurait fait du bien de passer un mois sans avoir à traverser tout le pays. Mais elle ne viendra jamais dans cette région sans une demande en mariage. Donc, nous y voilà. J'ai pas raison. Oh, c'est pas moi qu'il faut regarder. Je pense que quand vous aurez trouvé la bonne bague, vous le saurez. Très juste. Vraiment? Il n'y en a aucune? Non, merci. Bah. Désolé pour le dérangement. C'est bon. La nouvelle colocataire va passer pour prendre les clés et sa copie du contrat. Ça va aller, t'inquiète pas. Sauf si tu lui dis d'emménager avec Brian, comme ça tu pourras rester ici. Oh, tu vas me manquer aussi. Amuse-toi bien avec ta famille, on se voit à ton retour. Ok. Oh, c'est ma sœur, je file. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Entrez, les clés et le contrat sont juste là, sur la table. Steph. Oh, Brian, quelle bonne surprise. Tu sais, en fait, j'ai beaucoup plus de livres que je ne pensais. J'ai 7 cartons de livres. Il va nous falloir une autre étagère. On pourrait la mettre dans ta chambre d'amis? Notre chambre d'amis. Steph. Il y a une vente de Noël dans ce magasin de meubles. Comment il s'appelle déjà? Oui. Est-ce qu'on peut... Tu vas bien? T'es tout pâle, t'es malade? Je crois pas qu'on devrait habiter ensemble. Hein? Il faut qu'on se sépare. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute,
Ça fait déjà plusieurs mois que ça se passe plus bien entre nous. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile, mais on était tous les deux d'accord que si on emménageait ensemble, on aurait du temps à nous pour surmonter tout ça. Est-ce qu'on ne devrait pas emménager ensemble parce que les choses vont vraiment bien entre nous? Oui, enfin, sans doute. Pourquoi tu m'as demandé de venir habiter avec toi alors? Parce que je pensais que c'était ce que tu voulais et je pensais que ça pourrait être ce que je voulais, mais j'y ai réfléchi longuement et c'est pas le cas. Et tu as attendu que Kate ait loué ma chambre pour me le dire? Il fallait que je sois sûre. Tu te rends compte que tu viens de me mettre à la rue? Et qu'il y a une autre fille qui va emménager dans ma chambre la semaine prochaine? Allez, Steph, on sait très bien que jamais Kate ne te mettra à la porte. Bah oui, évidemment, parce que je peux toujours aller dormir sur mon propre canapé. Merci bien, comme ça je suis rassurée. T'es une fille super, Stéphanie. Je sais que je suis super, dégage! Salut, je suis Marilyn. Kate m'a dit que je pouvais récupérer. Oui, repassez plus tard. Salut. T'as fait tes bagages? Je suis en train de les faire. Très bien, mais ne prends pas ta cravate bleue et verte. Qu'est-ce qu'elle a? C'est ma cravate préférée. Elle ira pas avec la robe que je veux mettre au dîner de Noël. Oh, et quand tu arriveras, on ira directement depuis l'aéroport voir mes amis. Courtney, on était d'accord. Ce voyage, c'est pour qu'on passe du temps ensemble, seul. Pour se retrouver. C'est Noël! Je sais. Bon, on verra ça quand tu seras là, d'accord? Bon voyage, bisous, je t'aime. Noël. On dirait que celui-là vient de tendre, mais... Oncle Joe, c'est pour toi. Les départs en vacances. Avec plus de 26 millions de passagers attendus, l'aéroport de Los Angeles se prépare à battre des records pour ses fêtes de fin d'année. Il semblerait que tout le monde veuille rentrer chez soi pour Noël. À vous, Jason. Évidemment que je peux réserver un billet d'avion pour la veille de Noël, même à moins d'un jour du départ. Ça s'appelle la puissance de la pensée positive. Oh, mon loyer coûte moins cher que ça. Là, il y en a un. 23 décembre, vol de nuit. 3 escales, siège central. Je vais le prendre. Complet? Non! Oh, c'est le pire Noël de ma vie! Super promo de dernière minute? Hein? C'est par ici. Oh, oh, oh! Joyeux Noël à tous! En vous remerciant, jeune demoiselle. Quelque chose de spécial vous ferait plaisir pour Noël? Un nouveau fiancé, une nouvelle maison. Vous savez ça? Oh, oh, oh! Le Père Noël va voir ce qu'il peut faire. D'accord. Oh, oh, oh! Est-ce que je pourrais faire un vœu pour Hanouka également pour multiplier mes chances? Mais oui, pourquoi pas? Oh, oh, oh! Joyeux Noël! Oh, oh, oh! Joyeux Noël à tous! Pour aider les sans-abri, c'est par ici! Oh, oh, oh! Joyeux Noël à tout le monde! Oh, oh, oh! Joyeux Noël! Pour aider les sans-abri, c'est par ici! Excusez-moi, monsieur, auriez-vous un peu de monnaie pour aider les sans-abri? Oui, bien sûr. C'est très gentil à vous, monsieur. Y a-t-il un souhait que je pourrais exaucer pour vous? Je ne sais pas, est-ce que le Père Noël aide à prendre les grandes décisions de la vie? Je n'y croyais pas trop. Oh, oh, oh! Joyeux Noël à tous! Excusez-moi. Non, non, je ne vous excuse pas. Je suis dans la file d'attente. On attend tous notre tour dans cette file. Quoi, vous êtes tellement spécial que vous pensez pouvoir resquiller comme si les autres n'existaient pas? Ah oui, je sais, première classe. Si vous en pensez fait, oui, que... mais je...
Oh. Un des seuls privilèges qu'on m'accorde, je vole à travers ce pays, souvent. Enfin bref, bonne chance. Madame. Oh, désolé, désolé. On se dépêche, s'il vous plaît, en avance dans la file. Tout le monde a envie de rentrer chez soi pour Noël. Votre carte d'embarquement, s'il vous plaît. Oh, attendez, elle était là il y a une minute. Est-ce qu'il pourrait y avoir une chose qui se passe bien ce Noël? Oh, attention, vous allez l'abîmer, voilà. Oh, merci. On a tous besoin d'aide en période de fête. Et il me semble que vous cherchiez ceci. Oh, comment vous... J'étais pourtant sûre que... Elle n'était pas là, il y a une seconde. Madame. Bah, il est passé où? Madame. Oh, oui, excusez-moi. Attendez, c'est... Ça peut pas être ça. J'étais supposée avoir 3 escales. Stephanie Hunt? Oui, c'est moi. Vous avez une première escale à Boston, puis c'est direct pour Hartford. Je sais, mais ce n'est pas... Oh, je devais être très fatiguée hier soir. Porte 3. Ok, je suis... Désolée. Bonjour et bienvenue aux passagers du vol 1225 à destination de Boston. Nous allons procéder à l'embarquement des personnes du groupe 1, à savoir les passagers première classe, ainsi que les personnes nécessitant assistance et les familles avec enfants en bas âge. Excellent voyage. Merci. À très vite, mon cœur. Excusez-moi. Pourriez-vous m'aider à porter ceci jusqu'à mon siège? Mais bien sûr. Laissez-moi voir votre carte d'embarquement. Très bien, vous êtes tout au fond. Tout au fond? D'accord. Laissez-moi quelques secondes. Je ne suis plus aussi alerte qu'avant. Je comprends, monsieur, mais si vous pouviez continuer à avancer. D'accord. Attendez, monsieur, voulez-vous prendre ma place? Oh non, non, c'est pas la peine. J'insiste. Le vol va être long, vous pourrez étendre vos jambes. Non, non. Monsieur Nolan, vous abandonnez votre première classe? Je pense que j'y survivrai. Bien. Au moins, laissez-moi vous donner quelque chose. Certainement pas. C'est Noël. Passez un bon voyage. Tu verras, c'est très bien. Ah, vraiment? Pardon. On est toujours puni pour ses bonnes actions. Ok. Merci de votre patience. Nous allons procéder à l'embarquement du groupe numéro 6. Excusez-moi. Allô? Brian? Ouais, je me demandais quand tu pensais venir récupérer tes affaires. C'est pas possible, vraiment, mais quel pauvre type. J'attendais simplement que vous arriviez à votre place. Je veux te rendre tes affaires. En quoi ça fait de moi un pauvre type? Excusez-moi, pardon. Oui, d'accord, oui, laissez-moi. Excusez-moi. Parce que je viens d'embarquer dans un avion pour rentrer chez moi dans le Connecticut pour les vacances. Vu que tu as gâché les miennes, parce que tu n'es qu'un petit mec égoïste avec qui j'ai perdu un an de ma vie. Je veux dire, quel genre de personne largue sa petite amie et la fout à la porte de sa maison? Et au moment des vacances en plus! Ça marchait plus entre nous, Steph. Si tu étais si malheureux, tu ne crois pas que... Oh, je sais pas, m'en parler aurait peut-être été une meilleure solution. Madame, il faut attacher votre ceinture de sécurité. Tu sais quoi, j'ai déjà perdu suffisamment de temps avec toi. Emballe mes affaires et envoie-les-moi. Et comment on fait avec mes affaires, mon sweatshirt préféré, mon parfum et ma brosse à dents électrique? Nous n'allons pas tarder à décoller, mademoiselle. Tu peux oublier ta brosse à dents électrique, Brian. Mademoiselle. Je l'ai utilisée pour nettoyer les joints de ma douche. Excusez-moi, mademoiselle. Les appareils électroniques doivent être éteints pendant le décollage. Maintenant. D'accord. On reparlera de ça plus tard. Oh. Regardez qui voilà, le resquilleur. Je vous ai dit que je ne resquillais pas. Qui est devenu la première classe? J'ai échangé ma place. Vous êtes sérieusement en train de me dire que vous avez décidé de venir vous asseoir ici? Laissez-moi vous demander, tous les hommes sont des menteurs ou c'est seulement avec moi? Je ne mens pas.
Il y avait un monsieur fatigué, alors j'ai voulu lui rendre service. Vous auriez fait la même chose. Oui, je me sens vraiment d'humeur charitable. Bienvenue à bord du vol 1225 à destination de Boston. Le commandant Dunn sera notre pilote aujourd'hui. Elle vous informe que la durée de notre vol sera approximativement de 5h30. On va mourir, on va mourir. On ne va pas mourir. Comment vous le savez? Parce que je vole beaucoup, au moins une fois par mois. Et est-ce que ça arrive à chaque fois que vous volez? Non, mais je suis sûr que c'est une simple turbulence. Je devrais même pas être dans cet avion. Je devrais être chez moi, à Los Angeles, en train d'emménager dans un nouvel appartement. Mais non, voilà, voilà ce qui se passe. Nous traversons actuellement une tempête plus forte que prévue. Le vent et la neige soufflent en rafale à plus de 50 km/h, rendant les conditions incertaines pour poursuivre sur Boston. Par mesure de sécurité, les contrôleurs aériens vont diriger ce vol sur Bozeman, Montana, en attendant que les conditions météo s'améliorent. Nous nous excusons pour ce contretemps et nous espérons néanmoins vous ramener chez vous pour les fêtes. On va s'en tirer. On va s'en tirer. Veuillez nous excuser. Toutes nos lignes sont occupées pour le moment. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Michael? Salut. T'es pas censé être dans l'avion? J'étais sur le point de partir pour être à l'aéroport dans une heure. Eh bien, on a essuyé une tempête et ils nous ont déroutés sur le Montana. Vraiment? Donc, tu vas avoir combien de temps de retard? J'en ai aucune idée, chérie. Je ne contrôle pas la météo, tu sais. Mais sinon, je vais bien. Merci de t'en préoccuper. Oh, excuse-moi. C'est juste que... j'ai plein de choses à faire. Ça aurait été plus simple que tu viennes à Los Angeles pour Noël. Michael, on en a déjà parlé. C'est vraiment pas Noël s'il fait plus de 20 degrés dehors. Qu'est-ce que t'en sais, puisque tu... Tu sais quoi? Laisse tomber, je veux pas me disputer. Je sais, et... je suis contente que t'ailles bien. Oui, je vais bien. Je t'appelle dès que j'en sais plus. D'accord? D'accord. Faut que je te laisse. Ok, salut. Salut. Vous savez ce que je viens de réaliser à propos de tout ça? Les signes sont là, c'est juste qu'on... que je ne veux pas les voir. De quoi vous parlez? Des relations vouées à l'échec. Attendez, vous étiez en train de... vous écoutiez ma conversation? Ce n'est pas tant que j'écoutais, mais j'étais à 15 cm de vous pendant que vous étiez en train de parler, donc j'ai entendu. Je ne suis qu'une personne avec des oreilles. Oui, eh bien, quand j'aurai besoin de votre opinion, je vous demanderai, d'accord? Et d'après ce que j'ai entendu, vous n'êtes pas exactement une experte en relations amoureuses. Excusez-moi, est-ce que vous avez écouté ma conversation? Tout l'avion ne pouvait qu'écouter votre conversation. D'accord, voilà ce que je pense. Je suis une sorte d'experte dans les relations vouées à l'échec. Et oui, j'engueulais mon ex dans l'avion. Je devrais être actuellement à Los Angeles pour emménager dans son appartement. Au lieu de quoi, il me largue. Sympa les vacances, non? Quelqu'un vous a largué?
Ça, c'est incroyable. D'accord. Je l'admets, j'ai eu 3 histoires d'amour ratées au cours des 4 dernières années. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que je ne suis pas faite pour les histoires d'amour. Peut-être que je choisis mal. Pourtant, je pense que je suis assez douée dans la relation. Vous avez terminé? Oui. J'ai terminé, oui. La drague, l'amour, tout ça, c'est terminé. Je voulais dire terminé de parler. Ouais. Mais vu le niveau de votre conversation, je vous conseille d'en faire autant. Vous savez, les relations demandent des compromis et de la patience. Deux choses, d'après ce que j'ai entendu, qui vous manquent cruellement. Mais pas du tout. Moi, en revanche, je crois en l'engagement. Il faut se battre pour une histoire d'amour quand ça devient difficile, particulièrement quand ça devient difficile. Mais vous avez raison, peut-être qu'il vous faut choisir un homme qui soit prêt à faire des efforts pour vous. J'imagine que vous les faites, vous, ces efforts. Absolument. 5000 km d'efforts. Tous les mois depuis 2 ans, de Los Angeles à Boston. Je fais des efforts parce que je suis comme ça. Bon, vous avez probablement raison. Oui, je vous remercie. Ça doit être dur de faire des efforts un week-end par mois. Quoi? Vol 1225? Oui. Nous vous avons tous mis sur un nouveau vol. Super. Génial. Oui. Voyons, départ. Demain après-midi, si tout va bien, à 16h. Demain, c'est le soir de Noël. Oui. Je suis désolé, mais tous les vols entre ici et la côte Est ont été annulés à cause de la tempête dans le Midwest. Cet aéroport et tous ceux de la région sont fermés jusqu'à ce que la météo s'améliore. Nous vous fournirons évidemment des bons pour vous loger dans les hôtels de la ville. Oh. Mais par contre, je vous conseille d'appeler rapidement. Avec tous ces vols annulés, les hôtels sont pris d'assaut. Bon, votre copine va être contente. Et je suis sûre très compréhensive. Ouais. Merci. Joyeux Noël. Merci. Bonjour, ici Courtney. Vous m'avez loupé. Laissez un message. Complet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaîtriez un hôtel qui aurait peut-être des chambres de libre, quelque chose d'un peu à l'écart? Eh bien, mon cousin loue son camping-car sur Internet. Merci pour votre aide. Je vous en prie. Bonjour, vous êtes sur le répondeur du motel de l'aéroport de Bozeman. Notre établissement est actuellement complet, nous espérons vous accueillir. Allô? J'ai entendu aux informations que tous les vols ont été annulés à cause de la tempête. Oh, est-ce que tu vas bien? Oui. Oh. Oula, attends une seconde, maman. Attends. Oh, pardon, j'utilise cette prise. Je suis désolée. Oh. Pardon. Ah non, pas d'ailleurs. Tu es essoufflée? Oui, mais c'est rien, j'ai juste un problème de prise électrique. Faut être un gladiateur pour s'en sortir ici. Mon Dieu. Laisse tomber. Écoute, maman. Je vais bien. De toute façon, ces vacances de Noël ne pourraient pas être pires, hein? Je crois que je vais dormir par terre. À même le sol de cet aéroport. Oh, mais non. Vous n'allez pas faire ça. Je dois y aller et je te rappelle plus tard. D'accord, ma chérie. Fais attention. Vous? Oui, je me souviens de vous, à l'aéroport de Los Angeles. Vous m'avez aidé à trouver ma carte d'embarquement. Noël. Stephanie Hunt. Vous avez trouvé une chambre? Ah, vous savez, c'est les vacances d'hiver dans une station de ski. Tout l'aéroport est en train d'appeler les mêmes hôtels et motels. La chance n'est pas vraiment de mon côté. Et vous? J'ai des amis dans le coin. Je passe dans la région fréquemment pour le travail. Le travail? Vraiment? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je suis dans la distribution. Le fait est que je connais bien la région. Et il y a un petit endroit charmant dans la ville d'à côté. L'auberge de Charles Peak. Je connais les propriétaires. Si vous leur dites que vous êtes une amie de Noël, je parie qu'ils vous trouveront un lit douillet pour la nuit. Ce serait génial. Vous avez été mon porte-bonheur toute la journée. Ah, juste un ami. Comment dit-on déjà quand on retourne une faveur? Renvoyer l'ascenseur? Vous voyez le jeune homme assis là-bas? Il m'a cédé son siège en première classe dans l'avion.
Il l'a vraiment fait? Peut-être pourriez-vous lui trouver une chambre aussi. Joyeux Noël, Stéphanie. Joyeux Noël. L'auberge de Charles Peak, que puis-je pour vous? Bonjour, je suis une amie de Noël. Il m'a conseillé de vous appeler pour voir s'il vous restait des chambres de libre. Oh, je suis vraiment désolée, j'aurais bien voulu. Tous les amis de Noël sont mes amis. Mais nous sommes vraiment complets ce soir. Oui, je m'attendais à ce que vous disiez ça. C'est que notre vol pour Boston a été dérouté sur Bozeman et on ne peut pas partir avant demain. Vous savez s'il y a d'autres auberges dans la région? Attendez. Oui? Ça pourrait être votre jour de chance. Je suis quasiment certaine que ce n'est pas le cas. Il semblerait que la réservation d'une de nos meilleures chambres, une suite, vient à l'instant d'être annulée. Elle est à vous si vous la voulez. Je la veux, je la veux, je la veux. Vous la voulez, elle est à vous. Qu'est-ce que ça peut faire s'il a donné sa place à un charmant vieux monsieur dans l'avion? Vous cherchez un endroit pour dormir? Quoi? Est-ce que vous cherchez un endroit pour dormir? Vous êtes en train de me dire que mon logement manque de confort? Si vous avez besoin d'un endroit pour dormir et si vous n'avez aucun autre choix, vous pouvez partager ma chambre d'hôtel avec moi. Noël, l'homme à qui vous avez cédé votre place dans l'avion. Vous m'avez traité de menteur quand je vous ai dit ça. Eh bien, c'était un peu difficile à croire. Attendez un instant. Vous êtes en train de vous excuser? Je dirais plutôt que vous avez deux choix. Je peux en effet m'excuser, ou je peux vous proposer de partager ce qui est probablement la dernière chambre disponible dans un rayon de 80 km. Vous voulez partager votre chambre avec moi? Non, pas du tout. C'est Noël, et franchement, regardez-vous. Ça me donne envie de pleurer. Ce qui diffère de votre état normal, équilibré et émotionnellement stable? Ok, c'est pas grave. Un instant, attendez. Attendez. Merci, je vais accepter votre proposition. Je m'appelle Michael. Michael Nolan. Stéphanie Hunt. Ravi de vous rencontrer, officiellement. Nous savons tous les deux que c'est pas vrai. Puisque nous allons partager une chambre tous les deux, on pourrait peut-être faire connaissance. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oh, je sais pas, vous n'êtes pas un tueur en série, j'espère. Seulement les week-ends. Je travaille dans le marketing. Vraiment? Vous avez l'air surpris. Non, c'est seulement que je suis dans la publicité. Vous êtes venu à Los Angeles pour le travail ou pour fuir un de ces pauvres types qui vous a largué? Attendez, vous ne savez rien de moi. Vous non plus, vous ne savez rien de moi et pourtant vous m'avez dit de larguer ma copine. Ah, je ne vous ai pas dit de larguer votre copine. Non. Bienvenue à Charles Peak. Regardez-moi cette ville, c'est magnifique. C'est légèrement plus agréable que votre petite banquette à l'aéroport. Oh, je trouve que ma banquette avait un petit charme spartiate. Mais j'imagine que ça fera l'affaire. Plus sérieusement, merci. Ouh. Bonsoir. Ah, vous devez être l'ami de Noël. Bonsoir, Stéphanie. Joe, viens. Quoi?
Voici Stéphanie Hint, l'ami de Noël. Oh, tous les amis de Noël sont nos amis. C'est exactement ce que je lui disais. Et vous devez être monsieur Hint. Non, Nolan. Je m'appelle Nolan. Excusez-moi, désolé. Michael Nolan. Oh, une femme de son temps. Vous n'avez pas changé votre nom de famille. Je peux le comprendre. Non, c'est drôle. Nous ne nous sommes pas... Pas du tout ensemble. On s'est juste... Non, on s'est rencontrés dans l'avion. Oui. Oh, vous faisiez un joli petit couple quand vous êtes entrés. Oh. Oui, non. Non. On s'est rencontrés dans l'avion. Et quand j'ai réservé cette chambre, je me suis dit que je pourrais la partager avec lui parce qu'il était dans l'aéroport, triste, sur un banc. C'était pathétique, vraiment. Si, un petit peu. Oh, très bien, c'est parfait. Venez, nous allons vous installer. Allez, venez, suivez-moi. Allons-y, tu viens, Joe? Oui. Tenez, voilà. Nous avons quatre chambres d'hôtes au deuxième étage. Mais cette chambre, c'est la joie et la fierté de cet hôtel. On l'appelle la suite nuptiale. Excusez-moi, vous avez dit... Nuptiale? Où est-ce que je vous dépose ça? Je vais vous laisser vous organiser. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dormez bien. Voilà, on y est arrivé. Oui. Dans la suite nuptiale de l'auberge de Charles Peak dans le Montana. Il n'y a pas de doute, on y est arrivé. Et je crois que je vais appeler ma petite amie. Mon chéri, t'as eu un nouveau vol? Oui, mais qui n'arrive que demain tard dans la soirée. Quoi? Tu vas manquer le repas du réveillon? Courtney, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a aucun vol pour la côte Est. Il faut que la tempête se calme. Hé, hey, vous pouvez baisser d'un ton? Il y a des gens qui essayent de dormir ici. Stéphanie! Dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. Je peux pas, maman, tu nous as appris à pas mentir. Je suis désolée, mais ma carte de fidélité ne peut pas tout régler. Je sais que c'est pas ta faute. T'as dû passer une journée horrible. Hé, hey, tu sais quoi? Il y a un bon petit massage du dos qui t'attend à ton arrivée. Je me réjouis. Tu me manques. Hé, hey, le crétin, tu peux pas aller téléphoner dans ta chambre? C'était qui? Essaie de passer une bonne nuit, chérie. Tu verras que tout s'arrangera demain matin. Je crois que c'est un peu optimiste, étant donné le fait que, jusqu'à présent, absolument rien n'a fonctionné. Stéphanie... Tout va bien, maman. Un type qui n'était pas content parce que je téléphone dans le couloir. Pourquoi tu téléphones dans le couloir? Est-ce qu'il y a un homme dans ta chambre? Oh, j'ai aucune envie de parler de ça maintenant. Oh, Stéphanie, est-ce qu'il y a une femme dans ta chambre? Quoi? On se voit bientôt, maman, si la météo le permet. Là? Cette voix, c'est une femme? Oui. Il y a une femme dans ma chambre. Tu sais quoi? En fait, pour être sûr, disons que je vous verrai pour le nouvel an. Ce qui tombe plutôt bien, vu que maintenant je suis célibataire. Je suis totalement libre ce soir. Stéphanie Michelle Hint. Ça va aller, maman, vraiment. J'ai juste besoin d'une nuit de sommeil, d'accord? Je te rappelle plus tard. D'accord. Bonne nuit, ma chérie. Je suis inquiète pour elle. Oui. On s'est rencontrés dans l'avion. Tu partages une chambre d'hôtel avec une femme que t'as rencontrée dans l'avion? Ce n'est pas ce que tu crois. Elle n'est même pas sympathique. Oh zut, ça y est, ma journée est vraiment ratée. C'est qui cette fille? Et pourquoi elle n'a pas sa propre chambre? En fait, c'est sa chambre. Elle m'a invitée à y rester. Donc, une inconnue t'a invitée à dormir dans sa chambre d'hôtel et toi, tu as dit oui. Elle m'a proposé sa chambre pour que je n'aie pas à dormir à même le sol de l'aéroport. Quoi? Tu ne me fais plus confiance tout à coup? Je t'ai donné une seule raison de douter. Écoute, je me plie en quatre pour faire marcher notre relation. J'aimerais bien que tu le reconnaisses pour une fois. Tu as raison. Tu as toujours été fidèle, mais... C'est difficile. De vivre si loin l'un de l'autre. Je sais. Je sais, c'est dur. Oui. Peut-être qu'on pourrait en parler quand on arrivera enfin à se voir, non? Ça serait bien.
Il faut que je te laisse. Je t'appellerai dès qu'il y aura du nouveau. D'accord. Bonne nuit, chérie. Donc, si j'ai bien compris, vous prenez le grand lit confortable et moi le tout petit canapé, c'est ça? Oui. Ouais, ça me paraît logique. J'ai besoin de la salle de bain. Oui, ben j'y suis dans la salle de bain. Oui, je le vois. Pourquoi vous restez là? Il faut vraiment que j'aille dans la salle de bain. Oh, passez. Bon, d'accord. Rentrez oui, là-dedans et restez-y, que je puisse m'habiller. Oui, merci. Bien sûr. Et criez quand vous voulez sortir. Ça suffit, oui. Les surprises. Entièrement d'accord. Il n'y a pas de risque si je sors, là, maintenant. Oh. Oui, c'est bon. Bien. Ah, oh. Ah oui, vous n'avez pas de chemise. Bon, bah, je vais aller prendre un petit déjeuner. Je meurs de faim, je vais vous accompagner, si vous le voulez bien. Vous ne voulez pas, je ne sais pas, mettre quelque chose, peut-être? Oui, pourquoi pas. Pardon. Oh, voilà, oh, oui. Oh, voilà. J'en ai pour une minute. Oh. Vous savez, je suis un homme. J'en ai pas pour longtemps. Oui. Allez. J'arrive tout de suite. Vous entendez la musique? Oh. Tourne maintenant. Ouais. Et voilà le travail. Waouh. Ça va les achever. Voilà, bien chaloupé. Oh, on ne savait pas que vous étiez encore là. On est juste en train de... répéter pour ce soir. Ce soir? Et le concours de danse de Noël de Charles Peak. Ça fait partie de la grande fête annuelle de Noël. Vous n'avez pas vu les banderoles quand vous êtes arrivé hier soir? On a dû manquer ça. Ah. C'est quelque chose d'important dans cette ville. Mmh, et chaque année, Peter et Doreen Walt gagnent le concours de danse. Oh. Mais cette fois-ci... on va leur en donner pour leur argent, pas vrai, chérie? Ah, ça, tu l'as dit. Vous savez, c'est dommage que vous partiez aujourd'hui. On va bien s'amuser. Oui. Auriez-vous un endroit à nous conseiller pour manger? Ça, c'est facile. Dinky's. Les meilleures crêpes de tout le comté de Galatine. Le nom du restaurant est Dinky's? C'est dans le centre-ville, sur le trottoir de gauche. Vous pouvez pas le manquer. Oh. Eh ben, d'accord.
va pour Dinkies. Bonsoir, bon appétit. Et bon entraînement. On va les avoir. Allez, bien. Allons-y. Ah, ça, oui, on va les avoir cette fois, chérie. Bonne peur. Dans le bouquet final. On y va. Eh bien, ça ne rigole pas avec Noël ici. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas dans l'esprit de Noël? J'essaie de ne pas le perdre depuis quelques jours. Alors il faut absolument qu'on aille voir les stands après le déjeuner. On a un avion à prendre. Ça va, on a tout le temps. Et franchement, combien d'occasions aurez-vous de participer aux fêtes de Noël de Charles Peak? Pas suffisamment, apparemment. Ah, allez! Après. Oh, la galanterie existe encore. Oh. Et voici. Bon appétit. J'ai l'impression que j'ai pas mangé depuis un siècle. À partir de combien de pancakes, ça fait trop de pancakes? Oh. On est à Charles Peak, et donc ici, on appelle ça des crêpes. Si je n'étais pas certaine de rester célibataire pour le restant de ma vie, et si je pensais que vous étiez un type normal... Merci. Peut-être que je m'inquiéterais de savoir combien ça fait trop de crêpes. J'avais oublié comme c'est bon. Ça faisait longtemps, hein? Eh bien, Courtney m'a plutôt mis à un régime à base de flocons d'avoine. Vous me la jouez Cosette ou quoi? Elle veut que je prenne soin de ma santé. Bon, je dis pas qu'on devrait se nourrir que de gras et de sucre, mais elles sont quand même délicieuses et... De temps en temps, il faut se laisser vivre. D'accord. Excusez-moi, on pourrait avoir deux chocolats chauds, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec des marshmallows. Ah ah. Vous avez une mauvaise influence. Alors, à quelle heure pensez-vous qu'il faut partir pour l'aéroport? Le vol est à 4 heures, je dirais 2 heures et demie. Ne me dites pas que vous avez envie d'aller voir ça. J'ai grandi à Bridgeport et chaque année, ma classe d'hébreu organisait une kermesse. Ma mère et moi, on gagnait à tous les jeux. On avait une armoire pleine d'animaux en peluche, bon marché. Oh. Allez, on y va. Vous avez autre chose à faire ou quoi? D'accord. En tout cas, moi, je vais m'amuser. Oh. Donc, vous étiez dans une école juive. Mais vous fêtez quand même Noël. Ma mère est juive et mon père est catholique. Du coup, je profite des deux. 9 jours de cadeaux. Non, c'est pas vraiment comme ça. Quoique, si, quand même un peu. Oh. Mais c'est mignon tout plein, ça. Vous voulez que je le gagne pour vous? Je vous en prie. Je vais tenter ma chance. Vous savez quoi? Moi aussi. Ah, d'accord, vous le prenez comme ça. Peut-être que moi aussi, j'ai envie d'un adorable bonhomme de neige. Peut-être que ça ne va rester qu'une envie. Oh, d'accord. Pas mal. Regardez-moi ça. Vous savez que l'idée, c'est d'essayer de toucher les bouteilles. Attendez, je me chauffe. C'est encore un peu timide, juste un tantinet. C'est truqué. Soit la balle. Vous venez de dire soit la balle? C'est absolument impossible de les faire toutes tomber. Et nous avons une vieille... Boum! Joyeux Noël! Joyeux Noël à moi! Ouais! Boum! Ah, d'accord, je peux en avoir deux autres? Vous êtes content avec ça? Ça me va, ouais. Vous voulez de l'aide pour le tenir, c'est... Bon, ok, soyez gentil, d'accord. Ça me manquait. Quoi non? Un véritable Noël. Les lumières, les décorations, le froid et la neige. Pas comme vous le fêtez, vous, les Californiens, sans chaud. Vous avez beaucoup d'a priori sur les gens. Par exemple, moi, je viens d'une petite ville. Vous? C'est vrai? Ouais. Shrewsbury, Massachusetts, ça a à peu près une heure de Boston.
Qu'est-ce qui vous a amené à LA? Je travaillais à Boston dans une société de marketing, Unique Media. Unique? Impressionnant. Ils m'ont offert une promotion à Los Angeles, et j'ai dit oui. C'est une sacrée boîte. Ils viennent de nous débaucher un de nos meilleurs créatifs. Vous travaillez pour qui? Kittredge et Peterson. Il paraît qu'ils sont durs. Oh, ça oui, ils sont durs. Je passe ma vie au bureau. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir une relation durable. Enfin, j'espère que c'est pour ça. Mais j'adore Los Angeles. Pour le temps, on fait pas mieux. Il y a la plage, les randonnées. Vous avez une rando préférée? Facile, Temescal. Ça vaut vraiment la peine de grimper toute la première partie de la piste. Pour la vue. Depuis le sommet où on voit toute la ville, du centre jusqu'à l'océan. Ouais. C'est trop beau. Vous savez, si vous cherchez un endroit à LA qui vous rappelle vraiment la côte Est, il y a un super pub où je vais. C'est pas dans le centre. Rudy's? Vous connaissez? Mais j'y suis tout le temps là-bas. Peut-être qu'on s'y croisera un jour, quand on sera rentré. On pourra prendre un verre. Bon, c'est si jamais on arrive à rentrer. Oh, on devrait... Faut peut-être qu'on y aille. Ouais. Ouais. Comme ça, on sera pas en retard à l'aéroport. Faudrait pas prendre de risques. Oh, ça va? C'est tellement lourd. Eh ben, c'est bien fait. Attendez, ça vous embête si je m'arrête là une seconde? Je vous accompagne, mais vite fait, alors, hein. Bonjour, bienvenue. Est-ce que je peux vous aider à trouver quelque chose en particulier? Oh, merci. On jette juste un coup d'œil. On vient de recevoir ceci. Ça fait partie d'une vente aux enchères. Ça a au moins 100 ans. Oh, c'est superbe. Voulez-vous l'essayer? Oh, non, merci. Est-ce que je peux regarder cette bague? Oui. Oui. Je pense que ça plairait beaucoup à ma petite amie. Sérieusement? Vous ne l'aimez pas? Oh, non! Ce n'est pas... Moi, c'est pas... Stéphanie. Ce n'est pas Courtney. Je ne suis pas sa petite amie. Ce n'est pas ma petite amie. On s'est rencontrés dans l'avion. Notre vol a été annulé à cause de la tempête. Je pensais faire ma demande à ma petite amie, Courtney. Et peut-être que si je trouvais la bonne bague... Oui, évidemment, une belle bague, c'est la clé de toute déclaration romantique. J'arrive pas à croire que vous voulez vraiment faire une demande en mariage à cette femme. Celle avec qui vous vous disputez à chaque fois que vous vous parlez au téléphone. Celle que vous ne voyez qu'une fois par mois. D'accord, oui. Courtney et moi, on a eu, c'est vrai, quelques désaccords depuis ces dernières 24 heures. Mais c'est quoi 24 heures sur 5 ans de relation? On ne met pas fin à une histoire juste parce qu'il y a eu quelques disputes. Enfin, les gens normaux. Ah. Merci. Merci de bien souligner que je suis un désastre sentimental, mais que vous, vous êtes monsieur, j'assure. Puisque c'est ça, je vais rentrer à l'auberge, faire mes valises. Bonne chance pour trouver votre bague. La tempête qui a cloué au sol 40 avions en provenance ou à destination de l'Est des États-Unis a encore frappé. La météo nationale prédit des rafales de vent pouvant atteindre les 90 km/h, ce qui rendra tout décollage impossible pour les 8 prochaines heures au minimum. Plus d'informations à venir. Stéphanie! Monsieur, voulez-vous que je vous l'emballe? Je te jure, Kate, je suis en train de passer le pire Noël de ma vie. Écoute, Noël n'est pas encore terminé. Tu vas réussir à rentrer. Hein? Tu te rends compte? Maintenant, ils disent que la tempête ne se calmera pas avant ce soir. Il n'y a pas un seul avion avant demain. Oh, pile le jour de Noël. J'étais même pas censée voyager à Noël. J'aurais dû être à la maison avec Brian à commander du chinois et à regarder un film. Écoute, peut-être que de prendre un peu de temps pour toi, ça n'est pas une si mauvaise chose. Comment ça? Ce que je veux dire, c'est... Tu trouves pas ça un peu étrange que tu n'arrives jamais à choisir une bague pour Courtney? Alors, appelle Brian pour voir s'il veut encore commander du chinois. Il est certainement dispo. Non, je crois pas. Faut que je trouve un avion. Écoute, tu dis toujours qu'à Los Angeles, tout est homogénéisé. Que tout le monde essaye toujours d'être parfait. Et voilà que tu te retrouves dans ce qui semble être une jolie petite ville charmante et authentique. Ouais. Tout ce que je dis, c'est que s'il y a un bon côté dans tout ça, tu le verras. Le pire dans tout ça, c'est que Brian n'est même pas le plus crétin à qui j'ai eu affaire cette semaine.
C'est de ça qu'on parle, en fait? Un mec? Toc, toc! Ce soir, c'est réveillon. Vous n'allez quand même pas rester ici tous les deux? Oh, eh bien, si. On a vu la ville. On a mangé chez Dinkies. On est allé à la bijouterie. Mais ce soir, on danse! Bon, écoutez, vous n'avez qu'une soirée dans cette ville. Alors, on va pas vous laisser la gâcher dans cette chambre. Allez, on y va! Ouais, il faut voir. On va y réfléchir. Bien, on reviendra pas vous rechercher. D'accord. Mais oui, sors! Arrête d'être abat-joie. Bon, ben, j'irai. On se rappelle. Salut! Et passe un joyeux Noël! Vous avez vraiment envie d'y aller? C'est quoi l'alternative? Rester ici et se plaindre? C'était une possibilité. Hé, hey, Dieu! Oh! Michael, tu as quelque chose à me dire? Désolé, je te rappelle quand j'arrive à Boston. Est-ce que vous êtes prête? Finalement, partez devant, je vous rejoins plus tard. Ah non, 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 on reste solidaires. J'en ai encore pour une minute, je vous retrouve en bas. Je vous prends au mot. Non, rien. Sérieusement, quoi? Vous êtes... C'est trop habillé? Non. Vous êtes très belle. Oh. Merci beaucoup. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? On n'a qu'une soirée, on ne va pas rester ici. Non. Vous avez raison, je crois que toute la ville est ici. Je boirais bien quelque chose. Après vous. Ce n'est pas vraiment le remontant que j'espérais, mais ça fera l'affaire. Santé. Santé. Vous qui disiez que les vrais Noël vous manquaient. Oui, en effet. Oh, 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 oh! Est-ce que tout le monde s'amuse ce soir? Oui! J'ai dit, est-ce que tout le monde s'amuse ce soir? Oui! Oh, oh, oh! Bien! Pour ceux d'entre vous qui étaient là les années précédentes, on est content de vous revoir. Et à vous, les nouveaux venus, bienvenue au 101e bal de Noël de Charles Peake! Donc, j'espère que vous avez tous un partenaire, car nous allons bientôt commencer notre grand concours de danse annuel. Mais d'abord, Peter et Doreen. Ils dominent cette soirée depuis bien trop longtemps. La on va les avoir, cette année, c'est la bonne. Est-ce que quelqu'un va enfin pouvoir leur ravir le trophée cette année? Souvenez-vous,
Il n'y a qu'une seule règle. Amusez-vous. Prêt? Oui. Oh, oh, oh. Allez, dansez, chers filles. Notre charmant couple de ce matin. Oh, on n'est pas... Non. Non, vous feriez mieux d'aller sur la piste et de vous lancer. Je ne suis pas très douée en danse. Et moi, je préfère regarder de loin. Si mon Jimmy était encore parmi nous, oh, je passerais toute la nuit sur la piste. Il faut en profiter pendant que vous êtes jeune. Profitez l'un de l'autre. Oh, allez, ça suffit. On y va. D'accord. Vous savez, j'ai servi beaucoup de couples dans ma vie. Et je peux toujours voir ceux pour qui ça va marcher. Comment? Les yeux. Ça ne ment pas. Ça vous ennuie de garder ma veste? Mais au contraire. Allez. Bon, comment on... Eh bien, on, okay. On commence comme ça. D'accord. Voilà. Ça va aller? Oui. Vous êtes sûr? Oui, bon. C'est bien fait. Ça va. Allons au milieu de la piste. Oups. Allez. À quoi vous pensez? Non, rien. Vraiment? Oui, vraiment. Je vois. Bien. J'essaie de vous faire tourner. Oh, je sais pas trop. Allez, c'est parti. Oh. Oh là. Ça va. Bonsoir. Joli. Allez, on y retourne. Comme ça. Je crois qu'on commence à prendre le rythme. Oui, je fais ce que je peux. Allez, encore un tour. Oula. Attention. Oh. 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 Peut-être. Je crois qu'on devrait aller prendre l'air. Oui. C'est l'endroit le plus incroyable que j'ai jamais vu. Quand je pense que si j'avais vraiment emménagé avec Brian, j'aurais jamais rien vu de tout ça. Je suis vraiment désolée, Stéphanie. Oh. Il faut pas. Je suis plutôt soulagée. Ah bon? Pourquoi? Ça fait à peine quelques jours qu'on s'est séparés, mais j'ai déjà l'impression d'être à nouveau moi-même. Je ne me rendais pas compte de l'énergie que je mettais à être la petite copine de Brian au lieu de... d'être moi. C'était épuisant. J'ai de la peine à vous imaginer changer pour qui ou quoi que ce soit. Oui, eh bien... j'imagine que j'ai toujours été assez sûre de moi. Avec les amis ou au travail, mais... dans les relations de couple, je sais pas... Comment on sait qu'on a trouvé? Aucune idée. Vous devez bien en avoir une. Après tout, vous êtes sur le point de demander quelqu'un en mariage. Excusez-moi. C'était déplacé, c'est pas ce que je voulais dire. Je... sincèrement, j'aimerais connaître la réponse. Comment avez-vous su que le moment était arrivé? Je ne sais pas si le moment est arrivé. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble avec Courtney. Je suis proche de sa famille, chacun fait partie de la vie de l'autre. Elle a été vraiment patiente quand j'ai fait passer ma carrière avant notre relation. Je trouve que c'est un peu simpliste comme explication. On est fait pour ça, non? Les gens, la civilisation, on se met en couple, on choisit un partenaire pour la vie et on s'y tient. On fait ce qu'il faut. D'accord, mais si quelqu'un devait demander ma main, non pas que je puisse imaginer que ça m'arrive un jour, mais si jamais... j'aimerais que cette personne soit... extatique, au-delà de tout, littéralement éperdu d'enthousiasme. Oui, eh bien, la vie n'est pas comme ça. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas... je ne sais pas quoi. Une grange de ferme décorée de lumières scintillantes? Tout ce que je dis, c'est que l'enthousiasme s'estompe avec le temps. Ça ne dure pas. La routine, c'est juste... c'est pas ça le sujet. C'est vrai, bien sûr. Le quotidien, quand on...
quand on doit faire les courses pour manger, ou payer les factures d'électricité, ou quand il y en a un qui a la grippe, bien sûr, personne ne va être éperdu d'enthousiasme. Mais si un homme envisage de passer le reste de sa vie avec moi, je voudrais qu'il ait de l'espoir et de la confiance. Qu'il soit heureux d'envisager notre vie ensemble. Je ne voudrais pas qu'il prenne sa décision parce qu'il se sent obligé. Mais peut-être que c'est juste moi. Enfin, je suppose que c'est ce que je voudrais. Pardon. Peut-être que c'est un conte de fées. Mais qu'est-ce que j'en sais, hein? Après tout, c'est moi la célibataire. Elle. Vous méritez un conte de fées. On devrait rentrer. Non, je vais rester là un moment. D'accord. D'accord. Oh non! Vous n'avez pas aimé le bal? Oh, si, j'ai aimé, c'était magnifique. Si c'est la tête que vous faites quand vous êtes heureuse, je veux pas voir à quoi vous ressemblez quand vous êtes malheureuse. Michael! Alors, comment ça s'est passé, le bal? Ah, la 8e a été la bonne. Félicitations. Merci. Oh, et voilà. Ouh, il fait froid. Vous aviez l'air de bien vous amuser tout à l'heure. Un peu trop, même. Ah, c'est possible, ça? Ça l'est quand vous avez une petite amie qui attend patiemment depuis des années et que vous partez à l'autre bout du pays pour réussir votre carrière. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Je suis plus contrariée par un type que je connais à peine et qui s'apprête à faire sa demande en mariage que je ne le suis d'avoir été larguée par un crétin avec qui je sortais depuis un an. Ça semble être beaucoup de boulot de faire fonctionner une relation à distance comme ça. Du boulot. Ouais, c'est exactement à ça que ça ressemble. Ce n'est bon pour personne. Et après ce soir, je... Elle vous fait douter. C'est pas comme si je n'y avais jamais pensé auparavant, mais avec Stéphanie... Oh. C'est sûr qu'elle a un truc. Elle est impulsive, entêtée, elle parle fort. Elle se fiche de ce que les gens pensent, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et ça vous plaît? C'est ce que je crains. En principe, j'évite les conflits. Mais avec elle, j'ai l'impression que je peux... Je sais pas, dire les choses. Ça fait du bien. En amour, je fais toujours les mauvais choix, toujours. Et je m'aperçois soudain que ce garçon était, pour ainsi dire, au coin de ma rue depuis des années. Je crois, j'ai l'impression qu'il va épouser la mauvaise personne. Courtney est dans ma vie depuis si longtemps. C'était évident pour moi qu'un jour, le moment venu, elle ferait partie de mon futur. Stéphanie, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris au cours de ma très longue existence sur cette terre. La vie est pleine de surprises. Oui, c'est vrai. Nous en étions là. À la veille de notre 10e anniversaire de mariage. Et franchement, je pensais qu'il n'y avait plus rien à sauver. Il nous fallait du changement. C'est alors qu'elle a eu cette idée folle de venir ici. Autant dire au milieu de nulle part. Et j'ai dit oui. Mais pas parce que je voulais aller vivre dans le Montana, non. Non, j'ai dit oui parce que... Ce qu'on avait eu me manquait. Et je voulais le retrouver.
J'en avais besoin. Et maintenant, je ne me verrai pas vivre une vie différente. Saviez-vous que Joe et moi, on travaillait 80 heures par semaine dans une entreprise en faisant un boulot qu'on détestait? Vraiment? Je pensais que... Qu'on avait tout le temps habité ici? Non, pas tout le temps. On a habité des années à Seattle. Et puis un jour, on a réalisé qu'on n'était plus heureux professionnellement. On n'était pas heureux là où nous habitions. On a donc décidé de quitter la ville. Et on a pris cette auberge, dans le Montana. Le Montana! C'était il y a 20 ans. Et je ne l'ai jamais regretté. Pas une fois. Vous avez l'air de vivre quelque chose de rare tous les deux. Oui, mais vous savez, ça ne serait jamais arrivé si on n'avait pas été un peu courageux. Si on n'avait pas eu la volonté de prendre des risques l'un avec l'autre. À vous de prendre des risques. Dites à Michael ce que vous ressentez. Oh non, je pourrais pas faire ça. Mais si, voyons. Vous en aurez peut-être le cœur brisé, mais ça vaut mieux que de ne jamais savoir, non? Souvenez-vous, Michael. Et ça vient d'un vieux bonhomme qui a fait beaucoup d'erreurs. La loyauté est importante. C'est très honorable. Mais ce n'est pas la même chose que la fidélité. Et ce n'est certainement pas la même chose que l'amour. Vous et Michael, vous avez cette chose. Il y a de la passion, ça se voit. Vous savez, c'est quelque chose de rare aussi. Bonne nuit, Michael. Bonne nuit. Michael, j'ai quelque chose à vous dire. Stéphanie, il faut qu'on parle. Je suis désolée de vous avoir fait douter. Sauf que je ne le suis pas. Je sais que je n'ai pas été très claire sur ce que je veux, mais je crois que ça y est, je le sais enfin. Et c'est à vous que je le dois. Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne veux pas passer plus de temps à me demander ce qui pourrait se passer. Ça a été difficile pour moi de passer à l'étape suivante. Mais c'est parce que je n'ai jamais été vraiment sûre. Enfin, je pense peut-être être sûr. Pour la première fois depuis bien longtemps, je pense savoir exactement ce que je veux. Aïe. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'y vais. Stéphanie? Stéphanie? Maria, vous avez vu Stéphanie? Elle vient de partir. Elle a pris un taxi pour l'aéroport. J'étais dehors, je ne l'ai pas vue. Il y a une entrée de service. Elle a pensé que ce serait mieux si elle partait discrètement. Merci. On peut vous conduire à l'aéroport? Joe, sors la voiture! Bonne chance, Michael. Quoi que vous cherchiez. Merci, Joe, pour tout. Excusez-moi. Vous pouvez m'aider à trouver une amie? Les passagers du vol 329 à destination de New York, aéroport de John Fitzgerald.
Gérald Kennedy. Embarquement, terminal 2. New York, c'est près du Connecticut. Oui, je crois bien. Stéphanie. Michael, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes parti, sans même dire au revoir. Oui, eh bien, ça me semblait la meilleure chose à faire. Il faut que j'aille retrouver ma famille. Il est temps de partir d'ici. À ce rythme-là, je risque même d'arriver pour le matin de Noël. Enfin, si rien d'autre ne va de travers. Les passagers des groupes 4 et 5 du vol 329 à destination de New York peuvent embarquer. Voilà, c'est l'heure. Michael? Oui. Oui, il faut que vous partiez. Vous allez être un super mari. Courtney a beaucoup de chance de vous avoir. Je vous souhaite une belle vie. Conscience que tu vas devoir retourner travailler la semaine prochaine sans ta robe de chambre? Je verrai ça quand j'y retournerai. Ça va peut-être te remonter le moral. Ma copine Déborah, la nouvelle au travail, elle cherche une nouvelle colocataire. Comme ça, t'auras plus à dormir sur le canapé. C'est super.
Mais c'est peut-être pas le canapé, le problème. Je vais bien. Ouais. Donc tu vas enfiler des vêtements conçus pour le monde extérieur et m'accompagner ce soir? J'ai pas le courage de sortir, Kate. Steph, c'est le réveillon! Moi, je vais à la soirée du nouvel an de ma copine Bethany, et toi, tu seras ma cavalière. Si, je suis vraiment flattée, mais je sais pas, j'ai pas envie d'une grosse soirée à hurler des banalités avec des inconnus sur de la musique abrutissante. J'ai besoin d'une soirée un peu seule. D'accord. C'était sûr? Je le suis. Alors, je peux t'emprunter ton petit haut à paillettes? Oui. Ouais. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté cette bague. Je sais pas si elle l'aura aimée, et pour être honnête, je sais même pas si je voulais lui donner. T'as eu raison de rompre. T'as bien fait. Je suis sûr que vous allez tous les deux trouver quelqu'un qui vous convient, quelqu'un qui vous rendra vraiment heureux. Ouais, je sais. Bon, ben, ça c'est fait. Il m'aura peut-être fallu un voyage catastrophique dans tous les sens du terme pour m'en apercevoir, mais je crois que tu as raison. Et si tu rencontrais quelqu'un à la soirée où April me traîne ce soir, t'as qu'à venir avec nous? Ouais, pour tenir la chandelle entre toi et ta copine à une soirée chez des inconnus. Pas des inconnus, une fille qui s'appelle Bethany et qui était dans le club d'April à la fac. Là, ça donne envie. Allez, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Tu vas rester seule à la maison le soir du réveillon? Ça, c'est vraiment triste. Mon bilan avec les filles en cette fin d'année est loin d'être brillant, donc je vais rendre service à tout le monde et rester à la maison. Ok. Et voilà. Merci. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est passé Monsieur Diététique? Je ne dis pas qu'il faut se nourrir uniquement de gras et de sucre, mais une fois de temps en temps, c'est délicieux. Jusqu'au 6 janvier. Veuillez laisser un message après le bip et je vous recontacte. Oh, excusez-moi. Michael? Stéphanie? Oh, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé être à Boston? Oui, mais non, je suis rentré il y a quelques jours. J'arrive pas à croire que je vous ai retrouvé. Vous étiez à ma recherche? Oh, pas exactement, mais... Oui, j'ai appelé votre bureau quelquefois. J'ai envisagé... d'aller marcher à Temescal Canyon pour voir si vous y seriez. Mais... pourquoi?
J'aimerais qu'on se voie. Quoi? Courtney et moi, on a rompu. Oh, Michael, je suis désolée d'apprendre ça. Je ne voulais pas vous faire douter à propos de votre relation, en aucune façon. J'ai dit des choses que j'aurais jamais dû dire. Non, vous avez dit des choses qu'il fallait que j'entende. Des choses qui m'ont fait réfléchir. Qui m'ont fait croire en un amour que je ne connaissais pas. Je voulais vous le dire après le bal, mais vous vous êtes enfui. Je me suis enfui parce que c'était vraiment difficile et douloureux. Je pensais... Oui, je sais, mais... Vous savez, si vous étiez resté un peu plus longtemps, j'aurais pu vous expliquer... Comment je pouvais savoir que avec vous vouliez un tantinet quelque chose. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Tantinet. Est-ce que c'est grave? Non. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Bonne année, Stéphane. Bonne année, Mike. Est-ce qu'il ne ressemble pas à... Oui, comme deux gouttes d'eau. Ah.